Vous pouvez même le faire dans le public. Okay. Vous pouvez potentiellement également réagir à cet exercice. Okay. Mettez la main sur le front comme ceci. Et quand je vais compter jusqu'à 3, à mon 3, il va être impossible de séparer le front de la main et séparer la main du front. Les deux vont rester complètement collés, figés l'un contre l'autre, comme si la main était toujours collée contre ce front. À mon 1, la main peut se coller de plus en plus. À mon 2, c'est le front qui colle à la main. Et à mon 3, impossible que les deux se décollent. C'est complètement collé jusqu'à mon signal maintenant. Complètement, parfaitement collé jusqu'à mon signal. Collé complètement jusqu'à mon signal. Collé complètement jusqu'à mon signal. Vous pouvez aller vous asseoir. Complètement collé jusqu'à mon signal. Bien collé au fond. Collé jusqu'à mon signal. Complètement collé. Là, tu peux aller t'asseoir. Complètement collé jusqu'à mon signal. Complètement collé. Complètement collé. Jusqu'à mon signal. Complètement collé. Jusqu'à mon signal. Jusqu'à mon signal. Et on peut déjà tous les applaudir bien fort. Complètement parfaitement. Et tu vas pouvoir venir vers moi. Mets tes pieds joints. Ferme les yeux. La main se décolle maintenant. Tu peux fermer les yeux. Et après 20 à mon 1. Les paupières de plus en plus. La nuque se relâche de plus en plus à mon 2 et à mon 3 dorme. Jusqu'à mon signal, complètement détendu, relâché. Jusqu'à mon signal, complètement détendu, relâché, viens voir vers moi. Tu peux mettre les pieds joints. La main se décolle. Maintenant, tenir le corps bien droit. Tenir le corps bien droit, dormir. Maintenant, déjà complètement endormi. Et tout le corps sous là, ça se détend et on s'endort deux fois plus progressivement. Complètement, parfaitement. Venez vers moi. Mettez les pieds joints. Fermez les yeux. La main se décale à moins. Complètement. À mon deux corps plus en plus. Et à mon trois dormir. Jusqu'à mon signal. Complètement endormi. Jusqu'à mon signal. Venez vers moi. Mettez les pieds joints, la main se décolle. Fermez les yeux. Et un moins de corps appui. Un moment de la nuit, là, ça me fera dormir. Jusqu'à mon signal, complètement endormi, détendu, relâché. Venez vers moi. Mettez les pieds joints, la main se décolle. Fermez les yeux. Et à présent, un moins de corps appui. Un moment de la nuit. Et à mon froid dormir. Complètement endormi, relâché. Il nous faut toutes les figures de danse hein, ce soir. Gagnez moi vers moi. C'est stressé? Bah ouais, on va se relâcher, déjà on a sur la main. Il se détend, ferme les yeux. Et à présent, à moins, tu vas sentir une détente qui s'enlève dans tout le corps. À moins, tout le corps qui se relâche à mon froid. Jusqu'à mon signal. Ah. Typiquement, elle était trop stressée, tu peux te lever et tu pourras revenir à la fin du spectacle. Fais juste attention aux personnes. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir également. C'est à vous. Venez vers moi. Mettez les pieds joints. Fermez les yeux. La main se décolle. 1, 2, 3, dormir. Jusqu'à mon signal. Complètement. Endormi, relâché. Vous pouvez vous asseoir aussi. D'avant vers moi. D'avant les pieds joints. D'avant les pieds à moins. Ferme les yeux. Respire profondément. À moins le corps appui. À moins de la musculation, on trois dents. Jusqu'à. Endormi, relâché. Et parfaitement. Relâché. D'avant vers moi. Et on les pieds joints, la main se décolle, ferme les yeux, et tu vas pouvoir rester en équilibre. Et la nuque va se complètement et parfaitement à moins, corps appui, avant de l'activation, trois dents. Jusqu'à mon signal, complètement, parfaitement, venez vers moi, mettez les pieds joints, fermez les yeux, on reste en équilibre, quoi qu'il arrive, un, deux, trois, dormir. La main se décolle maintenant, jusqu'à mon signal, là, et ne pas rester en équilibre. Regardez, on peut rester debout. Et à mon 3, le cœur se relâche complètement, mais on reste en équilibre. 1, 2, 3, dormir. On reste en équilibre, quoi qu'il arrive.
Et regardez, la main fait comme ça maintenant. Il était temps. Regardez, mettez les pieds joints, fermez les yeux. À moins, la nuque se relâche, on reste en équilibre du tout du long, à moins de la capillaire pour attendre. Complètement. Et le corps se relâche. Personne n'a envie de rester en équilibre hein, ce soir. Ils veulent tous me faire du sport sur scène. C'est pour ça que j'ai assis quand même quelques personnes. Regardez, la main se décolle. Fermez les yeux. À moins le corps appuie. À moins de la nuit se relâche, à moins de dormir. Jusqu'à mon signal. Fermez les yeux. À moins la main peut se décoller. À moins deux, la nuit appuie. Et à moins trois, dormir. Maintenant, jusqu'à mon signal, on peut les applaudir bien fort. Et ce qui va se passer, quand vous allez ouvrir les yeux, à chaque fois que vous allez entendre le mot, vous allez pouvoir vous lever, vous mettre debout. Vous entendez complètement, parfaitement ma voix. Et vous allez être focalisé sur ma voix tout le long. Tout le long. Tant que je parlerai, vous serez focalisé sur ma voix. Et quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez pouvoir marcher. Mais à chaque fois que vous entendrez le mot stop, vous serez bloqué comme une statue. Il sera impossible de vous déplacer. Vous serez bloqué dans la position dans laquelle vous avez été quand vous avez entendu le mot stop. Et au mot play, vous vous déplacerez hyper facilement. Mais à chaque fois que vous entendrez le mot stop, vous serez complètement, parfaitement bloqué. 1, 2, 3, ouvrez les yeux maintenant et on peut les applaudir. Et on peut être debout. On va être applaudir. Et on fait toujours attention. Jamais dépasser le bas de la scène. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. On peut être debout. 1, 2, 3. Il y en a qui mettent un peu plus de temps. Marchez vers moi. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Et marchez vers moi maintenant. On peut mettre un peu la musique. Marchez vers moi. 1, 2, 3, stop. Elle est prochaine, donc tu peux aller t'asseoir. Et 1, 2, 3, play. Maintenant. Marchez vers moi. 1, 2, 3, stop. Sans tomber, toujours en équilibre. Quoi qu'il arrive, il y a des corps qui se bloquent. Maintenant, on peut mettre les lunettes et regarder qu'on touche l'épaule, le corps se bloque sans s'endormir. Maintenant. Et attention, maintenant, vous, c'est vous le public qui allez pouvoir hypnotiser les personnes. C'est-à-dire que je vais vous faire compter jusqu'à 3 et vous pourrez dire du coup le mot... Stop. Avant stop, il faut qu'il redémarre, non? Play. Du coup, 1, 2, 3... Play. Et c'est parti pour la musique, marchez vers moi. Et 1, 2, 3... Stop. Et 1, 2, 3... Et marchez vers moi, marchez vers là, sans jamais dépasser, marchez. Et 1, 2, 3. Stop. Et 1, 2, 3. Regardez, vous pouvez vous asseoir au fur et à mesure de chaise. Et au moment où vous vous asseoir, on s'endort complètement. Et 1, 2, 3. Stop. Et 1, 2, 3. Play. Et vous pouvez vous asseoir progressivement sur les fesses là. Et on va s'occuper d'endormir les personnes qui sont assises dormir. 1, 2, 3, dormir. 1, 2, 3, dormir. 1, 2, 3, dormir. Regarde juste un espace ici. Vous pouvez vous asseoir là-bas. Regardez quand la main touche le fond, on s'endort. Regardez quand la main touche le fond, on s'endort. 1, 2, 3, dormir. Jusqu'à mon signal. 1, 2, 3, dormir. 1, 2, 3, dormir. Jusqu'à mon signal. On a les meilleurs de deux du côté gauche et du côté droit pour le moment. 1, 2, 3, dormir. Jusqu'à mon signal. Et ça va être incroyable maintenant. Ce qui va se passer quand vous allez ouvrir les yeux. Quand vous allez ouvrir les yeux, je vais vous donner une bouteille en main. Sauf que la bouteille en main, elle va être extrêmement glissante. Il va être impossible de l'attraper en main. Peu importe le mouvement que vous allez faire. La bouteille va toujours vous glisser des mains. C'est plus fort que vous, vous n'arrivez pas à attraper du tout cette bouteille. Ça, c'est elle une dose, hein, forcément vos mains. C'est pas du tout avec ta mère. Non, c'est du normalisme. Tiens. Attends, je te la redonne. Essayez voir de la prendre par terre, peut-être. Ça glisse. Qu'est-ce qui se passe? Elle est lourde. Ça va non? Elle est pas lourde aussi. Vous avez la soulever en fait. Elle a trouvé l'astuce. Hein. Et si vous retournez les mains,
va voir si les autres personnes y arrivent. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Tiens. Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Tenez. Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus forts de l'autre côté ou pas? Non. On choisit qui? Forcément que nous, il y a deux arnaqueurs des deux côtés. Allez, c'est parti. Un, les trouver les yeux. Ils sont trop. Même eux, ils voient que ça. Bon, toujours pas plus de réussite. Un, deux, trois, ouvrez les yeux. Tenez. Oui, tenez. Qu'est-ce qui se passe? Ça glisse. Ça glisse? Moi, je me suis mis de la colle sur la main, c'est pour ça. Allez, 1, 2, 3, dormir. Toutes les personnes qui ont les yeux ouverts avant 3, vous allez vous endormir automatiquement. 1, 2, 3, dormir. Complètement. Jusqu'à mon signal. Ça s'appelle de l'hypnose Wi-Fi, ça. Cette hypnose à distance, ça évite de se déplacer. Et vu qu'ils n'arrivent pas à tenir debout, on les laisse assis. C'est pour ça aussi qu'ils sont assis là sur la chaise. Et du coup, l'hypnose, il faut savoir, du coup, je vous disais, je vais vous expliquer un peu tout au long du spectacle ce qui se passe. Donc, on est dans un état d'hypnose, et dans cet état d'hypnose, on réagit ou non à l'hypnose, et après, en fonction de la profondeur de notre état, on va réagir plus ou moins. Là, typiquement, on va monter un cran dans l'imaginaire. Toutes les personnes qui sont assises, vous entendez ma voix, et quand vous allez ouvrir les yeux, vous n'allez pas savoir pourquoi, mais votre prénom, il a disparu complètement de votre esprit. Vous avez beau essayer de penser bien fort, votre prénom a disparu complètement et parfaitement de votre esprit. C'est plus fort que vous. Au moment où vous voulez le prononcer, il n'y a rien qui sort de votre bouche. Le prénom a disparu complètement de votre esprit. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Moi, je m'appelle Guillaume et vous vous appelez? On va demander 1, 2, 3, on peut monter le micro 20. Je m'appelle Guillaume et vous, c'est... Je vais ouvrir la main, normalement ça revient quand on ouvre la main. Vous appelez? Bah Eddie. Comment? Eddie. Eddie? Comment? Tu viens de le dire il y a 15 secondes, non? Oui, ça l'a touché. Ouais, je sais plus. T'as bu quelques verres avant de faire le spectacle? Peut-être. Mais normalement, je me souviens de mon prénom. C'est vrai que généralement, on se souvient de son prénom, même après quelques verres. Oui. Attends, peut-être que si je te le mets dans la main, regarde-moi, ouvre la main, je t'appelle. Regarde, c'est écrit là. Eddie. Eddie, tu me disais? C'est un truc de malade. Regarde, c'est dormi. Jusqu'à mon signal. Moi, c'est Guillaume, et toi, ton prénom, c'est Tiffany. Regarde ce qu'on va faire. Est-ce que vous pensez qu'elle encore est hypnotisée ou pas? Ouais, non. Ah, on a les deux. Regarde cette main, dormir. Jusqu'à mon signal, donc vous pouvez voir qu'on peut être en état d'hypnose et ne pas réagir forcément à la suggestion. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Du coup, pour la personne à qui je touche l'épaule, le prénom a disparu complètement. 1, 2, 3, 4. Maintenant. Comment ça va? Ça va? Il y a une question, il y a la parole. Et votre prénom c'est? Il est perdu dans un autre monde. Il a perdu la voix. On se rejoint sur Mars. Et il parlait déjà de base ou... Attendez, quand vous allez ouvrir les yeux, vous avez absolument envie de me parler. Ça va être plus simple. Mais par contre, il n'y a toujours pas le prénom qui sort de la bouche. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Maintenant. Du coup, moi je m'appelle Guillaume et vous? Oh là, c'est chaud là. Le nom de famille c'est? Il y a toujours plus envie de parler, on a de dormir. Jusqu'à mon signal. Et 1, 2, 3, dormir. Jusqu'à mon signal. 1, 2, 3, dormir. Jusqu'à mon signal. 1, 2, 3, dormir. Jusqu'à mon signal.
1, 2, 3. Dormir. 1, 2, 3. Dormir jusqu'à mon signal. Et ce qui va se passer maintenant, ton prénom, c'est plus Eddy. Tu as changé de prénom il y a quelques années. Ton prénom, c'est Darty et ton nom de famille, c'est Flett. Ça a toujours été comme ça. Quand tu regardes les yeux, ton prénom, c'est Darty et ton nom de famille, c'est Flett. On va quand même essayer de lui donner un prénom. On va voir si ça marche. Quand tu vas ouvrir les yeux, t'es totalement persuadé que ton prénom c'est I et ton nom de famille c'est Ti. Ça a toujours été comme ça, ton prénom c'est I et ton nom de famille c'est Ti. Et la personne à qui je touche l'épaule, deux fois plus détendue, relâchée, endormie, quand tu vas ouvrir les yeux, c'est complètement naturel, ton prénom, ça devient Jean et ton nom de famille Lassalle. C'est plus fort que toi, totalement naturel, ton prénom c'est Jean et ton nom de famille c'est Lassalle. Alors, premier test, ouvrez les yeux maintenant. Du coup, vous me disiez votre prénom c'est Ti, ok. Et mon famille Pi. Voilà. Ça fait un autre jeu. Et du coup, le nom qui fait, c'est d'accord. Tipi. Ah. Prochain jeu de mots, prochain jeu de mots, que, du coup, il y aura un Kitty et un Tipi sur scène. Voilà. Quand même, on est à 1, 2, 3, ouvre les yeux. Donc, tu me disais que tu t'appelais Tarty. Ok. Et ton famille Flet. Et ton complet Tarty Flet. Okay. Tu t'en rappelles du coup maintenant? Tu t'en rappelles du coup maintenant? Bah oui. Tu t'en rappelles pas avant? Bah oui. Ok. Et le nom de famille de tes parents c'est? Flet. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a de la famille hein, qui est venue avec toi là? Non. Non? T'as des amis? Oui. Ils sont où? Ils sont pas de ta famille alors? Non. Ok. Donc il n'y a pas de Flet dans la salle alors? J'ai pas de Flet. Ok. 1, 2, 3, dormir jusqu'à mon signal. Et 1, 2, 3, dormir jusqu'à mon signal. Et à présent, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Bon, moi c'est Guillaume et toi tu t'appelles Jean. Et le nom de famille Lassalle. Et le nom complet Jean Lassalle. Ok, et depuis toujours? Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est une question bête. Regarde, 1, 2, 3, dormir jusqu'à mon signal. Et on peut les applaudir bien fort. Et maintenant, on va monter encore un cran supérieur dans l'imaginaire. Ce qui va se passer, toutes les personnes sur scène, quand vous allez ouvrir les yeux à mon 3, et on pourra mettre la musique bien fort, vous allez devenir le plus grand groupe de rock de toute l'histoire. Vraiment, le plus grand groupe de rock de toute l'histoire. C'est votre moment, là, aujourd'hui, devant un Vélitrampi. Les deux personnes à qui je touche l'épaule, vous jouerez de la guitare. Les deux personnes à qui je touche l'épaule, vous ferez de la batterie. Ouais, tiens, si tu veux. Tiki, toi, tu feras de la flûte. Les deux personnes à qui je touche l'épaule, vous ferez de la guitare. Les deux personnes à qui je touche l'épaule, vous ferez du tambour. Et les deux personnes à qui je touche l'épaule, vous ferez de la batterie. Attention à mon 3, vous allez pouvoir commencer à jouer votre instrument et la musique va commencer. 1, 2, 3, c'est parti, maintenant. Je vais dire comment ça se fait son instrument. Et on peut les applaudir bien fort. Et ce qui va se passer maintenant, vous entendez complètement ma voix. Et ce qui va se passer quand vous allez ouvrir les yeux, je vais vous servir le verre d'alcool le plus fort que vous ayez jamais bu de toute votre vie. Le verre va être extrêmement fort, imbuvable. Et vous allez avoir vraiment envie de le boire. Même si ensuite, vous allez peut-être un peu le regretter parce qu'il va devenir vraiment imbuvable. On va commencer avec Tipi. 1, 2, 3, Tipi, tu peux ouvrir les yeux. Tiens. Oh putain. Oh putain. Okay, qu'est-ce qui se passe? Des gosses. Ça inquiète-vous?
Oh, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool? Moi qui bois pas d'alcool. Ah, non. Et quand tu as ouvert les yeux, ça devient ta boisson préférée. Maintenant. Tiens. Il quand même. Qu'est-ce que tu vois? De l'eau. De l'eau, c'est bon? Sa boisson préférée. Un, deux, trois, les yeux. Maintenant. Tiens, c'est pas d'alcool. Un, deux, trois, les yeux. Tiens. Oh. Non, c'est bon. On a entendu le petit. Maman? Maman? Je vais gerber. Un, deux, trois, non. On reste en équilibre. Et quand tu ouvres les yeux, ça devient ta boisson préférée. D'accord. Tu le vois bien. C'est quoi? C'est l'eau? Hein? Eh, bon, pas trop d'alcool. Un, deux, trois, ouvrez les yeux. Ça a surtout pas marché. Attention, à 3, ça va devenir hyper acide d'un coup pour toi. 1, 2, 3, maintenant. Un, 2, 3, pour ouvrir les yeux. C'est ce que vous voulez? De l'eau. Ah, là, on a le flambeau qui est là. Attention, pour vous, ça peut piquer un peu. C'est devenu sa boisson préférée, c'est du whisky, il est bien. C'est bon? C'est du whisky ou? Bah, je sais pas, c'est possible. Parce que c'est pas censé être de l'alcool, quoi. Je continue. Un, deux, trois, mais les deux. Tenez, attention, ça risque de piquer un peu. Et attention, le rebond devient normal maintenant. Avec que l'air d'eau. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont à l'ouest. De l'eau. De l'eau? Ah, les derniers, ils n'ont pas voulu boire d'alcool. Hein. Un, deux, trois, dormez. Maintenant, jusqu'à mon signal, un, deux, trois, tipi, on dort. Et jusqu'à mon signal, un, deux, trois, on dort complètement, parfaitement. Un, deux, trois, sans être. Jusqu'à mon signal, complètement et parfaitement. 1, 2, 3, on s'endort complètement. Et parfois. Vous voyez qu'on regarde le verre en équilibre, on a une expérience. Elle hausse les sourcils, hein. 1, 2, 3, le cœur se relâche complètement. Et 1, 2, 3, dormez. Juste un signal, complètement et parfaitement, et on peut les applaudir bien fort. Elle est hypnotisée, elle. Elle est pas du tout hypnotisée, celle en rose. Hein. Non, elle rigole, elle a les yeux ouverts. Non mais putain, là, elle a envie de me taper parce que je suis tous les ans. Il faut dire la vérité. Bah oui, il faut dire la vérité. Oh, c'est comme elle. C'est Mythomane, celle qui revient. Oui, oh, oui, oui. Depuis le départ. Hein. De côté, mais on va prendre les deux. Tu vois, les gens, ils sont d'accord. Alors, on peut lire les deux vous mois de et quand ils allaient venir, il va y être comme deux frères et moi, moi. Il va être impossible de déconner les deux mois. Ça a toujours été comme ça, vous êtes frères et sœurs, c'est à moi. Impossible de vous décoller. Et quand j'irai mon ressort, vos deux jambes, vous allez sauter comme sur des ressorts. Un, deux, trois, vous allez avec toi. Oh non. Oh non. Vous vous connaissez? Avec qui, Brian? Vous vous connaissez pas? Comment ça se fait que vous allez me raccoler? On sait rien. Et pourquoi vous ne vous connaissez pas? C'est la dose de whisky. J'aimerais bien. Du coup, c'est elle qui colle? Je sais pas, c'est collé. C'est lui qui colle ou c'est... C'est impossible de se décoller, hein. C'est moi. Est-ce que vous pouvez me mettre debout? Et attention, au mon ressort, maintenant, sous les jambes, il y a des ressorts qui arrivent, regardez quand vous marchez, plus il y a des ressorts sous les jambes. Deux fois plus. Et deux fois plus, vous pouvez vous arrêter. Est-ce que vous pouvez lever le bras? Tu peux prendre, il y a Tipi qui a son bras en main encore. Et maman, tu me mets vers là. Tu me tires comme ça, mon pote? Moi, je le décolle.
Et c'est parti. Ouais. Et tu penses que c'est collé avec quoi? Oh, si, je le savais. Regardez, vous pouvez vous asseoir sur les chaises derrière vous. Et les gens qui toujours des ressorts sans tomber, au moment où vous allez vous asseoir, vous vous endormez complètement et parfaitement. Et je vais aller à la réception. Et on s'endort progressivement, maintenant. Juste un signal, et on peut tenir le corps droit, parfaitement droit. Et on s'endort progressivement, complètement et parfaitement. Et vous entendez complètement et parfaitement ma voix. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais vous donner une bouteille, mais la bouteille, elle fait 10 000 kilos. Vous avez bossé toutes vos forces, vous la soulevez, elle est complètement bloquée, figée dans le sol. Vous avez bossé toutes vos forces, la bouteille est collée complètement au sol, elle fait au moins 10 000 kilos. 1, 2, 3, ouvre les yeux, maintenant. Est-ce que tu pourrais me passer la bouteille, s'il te plaît, Tipeee? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à l'amour. Tu me la connais. Attends, je vais essayer. Non, ça va. Quand tu vas essayer ou pas? N'empêche qu'il est pas con. C'est dur? Ça va. Est-ce qu'il va à peu près? Je sais pas. Tu sais qu'il suffit d'appuyer deux à chaque fois sur l'épaule pour rendre, pour ajouter 5 kilos. Combien de kilos à peu près? Elle est lourde. Un, deux, trois, les yeux. Maintenant. Est-ce que tu peux me prendre la bouteille, s'il te plaît? Ah, elle y arrive facilement. Regarde dedans. Juste à mon signal, complètement et parfaitement, et ouvrez les yeux. Tenez. Attendez, on va essayer d'être par terre. Attendez, plus elle est par terre et plus elle est lourde encore. Essayez. Ah, elle est forte. Regardez, quand la bouteille baisse, un peu transcendant. Jusqu'à mon signal, complètement, parfaitement. Et 1, 2, 3, on s'endort. Jusqu'à mon signal, complètement, endormi, relâché. Vous entendez complètement et parfaitement ma voix. Regarde, Tipeee, tu vas ouvrir les yeux. Maintenant, vas-y, viens voir, tu peux lever. Quand je baisse le micro, on s'endort en équilibre. Jusqu'à mon signal, quand tu vas ouvrir les yeux, je ne sais pas pourquoi, mais au moment où tu t'assais, d'un coup, tu ressens une décharge électrique qui va te faire sursauter de la chaise. Ça va pas faire mal, mais ça va te faire sursauter de la chaise à chaque fois que tu t'assois. Tu comprends pas pourquoi, mais ça le fait à chaque fois que tu t'assois. Avec ton yeux. Maintenant, ça va? Oui. Ouais, tu peux t'asseoir? Putain. Qu'est-ce qui se passe? Le courant. Le courant? Ça va piquer le cul. Bah, c'est pas possible qu'il y ait du courant sur une chaise, si. Si. Ouais, du coup, il va être parti, non? Non. Non? Vous voulez que j'essaye? On va voir. Normalement, c'est bon. Mais pas pour lui. Il en dirait beaucoup? Oui. Regardez, tout redevient normal maintenant. On peut s'asseoir et au moment où on s'assoit, on s'endort progressivement. 1, 2, 3. Juste à mon signal. Et vous entendez complètement et parfaitement ma voix. Et je vais demander à deux petits-enfants de venir. Vous pouvez venir, les deux qui sont là. Complètement, parfaitement, vous entendez ma voix. Et ce qui va se passer, ça va être incroyable. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir devant vous votre star préférée qui va être là. Toi, tu peux te mettre ici. Et toi, tu peux aller de l'autre côté. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir votre star préférée en chair et en os devant vous dans cette salle. Votre star préférée, du coup, vous allez pouvoir prendre une photo, un autographe avec cette star. Parce que c'est vraiment l'occasion de votre vie. Elle est là à quelques mètres de vous. Je vais faire tomber de la scène. Hein, je prends mes yeux. Gros canard. Tu reconnais? Merci. Tu reconnais? C'est qui? Damien 16. Damien 16. Oh voilà. C'est qui? 1, 2, 3 pour rire. Ça va y aller. Si, si, ma gueule. 1, 2, 3 pour rire. Regardez maintenant devant vous. 1, 2, 3 pour rire les yeux. Progressivement devant vous. Vous avez vu qui est devant? Oui, oui, évidemment. C'est qui? Bah, c'est Obispo. Allez. Allez.
allez-y. Allez-y, c'est le moment. On t'a déjà pris pour Pascal Obispo ou pas? Non. Ah, une fois, je pense. Vous l'avez vu déjà pour ça? Regardez, il y a des couleurs juste pour vous. C'est quoi votre chanson préférée? Lucie. Lucie? Du coup, vous le suivez depuis combien d'années? Très longtemps. Le début. Et de près, il est pareil que de loin au concert ou pas? Un tout petit peu plus petit que ça. Et toujours pareil. Donc, la première bien fort, je vous donne fort. Attention. Je m'attends bien. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. 1, 2, 3. Regardez face à vous, votre star préférée. 1, 2, 3, ouvrez les yeux maintenant. Face à vous maintenant, votre star préférée, cher à vous. Celui qui était en face. Oui. C'est qui? Mbappé. Ce qui est cool, c'est que pour sa star préférée, il est hyper enthousiaste. Tu l'as déjà vu en vrai? Ouais. Ouais. Elle est en extase. Ah, tu l'as déjà vu aussi pas comme ça? Non. Non? Et il est comme en vrai? Oui. Ouais. Du coup, là, vous allez pouvoir voir les personnes qui ont une star préférée. Toi, t'as vu qui est en face? Oui. C'est qui? Kinvé. Kinvé? Tu l'as déjà vu ou pas? Non. C'est quoi ta musique préférée? Le Portas et Nouvelle. Sa nouvelle? Vous avez vu qui était en face? C'est qui? Séléna. Séléna? Qui, Séléna Gomez? Non, Léna Situation. Ah, Léna Situation. L'influenceuse? Tu l'as déjà vu? Elle est comme sur les réseaux sociaux ou pas? Un peu plus petit. Décidément, il paraît plus petit, les stars ce soir. Il est plus petit aussi, tu l'as pas fait qu'en vrai? Que, en vrai, là, il est plus petit? Il est plus petit, oui. Un plus petit, celui-là. Et vous savez qui était en face? Oui. C'est qui? Muriel Robin. Muriel Robin? Vous l'avez déjà vu avant? Non. C'est quoi votre sketch préféré? J'aime tout ce qu'il a. Ouais? Ça vous fait quoi de l'avoir juste devant là? Ça me fait plaisir. On peut les applaudir bien fort et à mon 3, on peut se dormir progressivement jusqu'à mon signal. 1, 2, 3, progressivement jusqu'à mon signal. Maintenant. 1, 2, 3, jusqu'à mon signal. 1, 2, 3, dormir. Jusqu'à mon signal. Et ce qui va se passer, vous pouvez aller vous asseoir de nouveau. On peut les applaudir bien fort. Vas-y, tu peux venir si tu veux. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez assister. Elle est timide. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez assister au résultat du loto. Vous allez vraiment assister au résultat du loto. Le ticket sur votre main droite. Le ticket sur votre main droite. Et il va y avoir la présentatrice qui sera devant vous, la présentatrice du loto. On aura même deux présentatrices ce soir. Deux présentatrices du loto. Les numéros que vous aurez joués seront inscrits sur le ticket sur votre main droite. Ce sera les numéros 2. Les filles, il va falloir avoir une vraie mémoire. Mais je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Les numéros que vous aurez joués seront les numéros 2, 4, 6, 8 et le numéro complémentaire, le 10. Si vous entendez tous ces numéros, c'est-à-dire le numéro 2, 4, 6, 8 et 10 qui sont inscrits sur votre ticket, vous aurez gagné 100 millions d'euros au loto. Absolument 100 millions d'euros au loto. Vous pouvez crier, sauter de joie, sans jamais dépasser le bord, le vide, mais vous serez millionnaire. Mais pour ça, il va falloir entendre ces numéros-là. Attention, on va pouvoir lancer la musique, le tirage du loto va pouvoir commencer maintenant. Les présentatrices sont devant vous, vous pouvez ouvrir les yeux et on peut lancer la musique. Regardez le ticket sur la main droite maintenant. Il reste plus qu'un numéro pour devenir multimillionnaire. C'est ce soir ou jamais. Dernier numéro.
dernier numéro pour 100 millions d'euros. Regardez bien votre triplé. Regardez bien le dernier chiffre du mouvement. Dernier numéro pour 100 millions d'euros, c'est le numéro 10. Elle a plus mal au dos. C'est bien, mais ça fait Michael Jackson. J'ai gagné. J'ai gagné. C'est quoi les numéros? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Les mêmes? Les mêmes. Regardez les notes. Il y a pas. Oui, on peut gagner. Vous allez faire quoi avec cet argent? Je sais pas. Et vous le savez déjà? Oh, pour la fête. Par appel? Vous payez une tournée à toutes les personnes. Ah, mais grave. Deux tournées? Carrément. Et il y a d'autres gagnants? Oui. Je te dis Barak, c'est pas possible. Barak. Et toi, tu vas faire quoi? De 4 sur 8, 10. Non. Bah, gagne. Et tu vas faire? Mais j'ai gagné. Tu t'es pas à donner l'argent à tout le monde, là? Non. Non. Tu sais pas comment faire, on va t'en donner, non? Bah, non, je saurais bien le jouer. Bah, tu veux jouer? T'as gagné aussi? Non, j'ai gagné. T'as perdu? Voilà! Il faut quel numéro? Il est 10. Attends. Je crois qu'elle a dit le 10. Non, c'était quoi le dernier numéro? C'était quoi? 10. Oui. Le dernier numéro? 10. C'est quoi les numéros? 2. T'as dû voir? 2. 4, je crois. 6, 8, et c'est tout dernier, c'est le 10. Est-ce que c'est les bons numéros? C'est les bons numéros? Oui. Bah, du coup, vous avez gagné, c'est théorique. Vous allez faire quoi avec tout ça? Je vais acheter une maison. Une maison? Oui. À combien d'euros? 100 000. 100 000? Mmh. Pas plus? Non. Parce que vous allez acheter beaucoup plus de 97 millions et là, 100 000 euros là. Bah, une voiture. Une voiture? Vous avez la voiture? Non, mais j'aime pas le permis. C'est pas le premier projet qui vient quand on a voté du coup. Du coup, vous allez passer le permis alors ou pas? Oui, je suis en train. Okay. Et toi, tu vas faire quoi? Moi, je vais m'acheter une maison. Ok. Je vais garder à mes petits-enfants. Ok. Mais bon, on a plus de 100 000 euros quoi? Non. Et tu payes la première année pour là ou pas? Cash. Ouais, c'est cool. Vous allez être gentil, hein, c'est bon. C'est pas bien. Vous avez gagné combien? Tu vas faire ce que tu veux faire? Oui. Tu vas faire quoi? Donner à ma famille. Donner à ta famille? Regarde un peu pour toi quand même. Bah oui. Il y a d'autres gagnants ou pas par ici? Vous allez faire quoi avec l'argent? Il y a oublié la moitié à mon ami et garder le reste. Bon, ça va, il y a 50 millions quand même. On peut les applaudir bien fort. Attention à vous, vous allez vous endormir. Sans couper de la chaise, bien en équilibre. 1, 2, 3, on dort maintenant. On s'endort maintenant. Jusqu'à mon signal, complètement parfaitement. Et les filles, vous pouvez aller vous asseoir, on peut les applaudir. Et ce qui va se passer, en fait, vous entendez complètement ma voix. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez faire depuis votre chaise. Une course-poursuite contre des extraterrestres. Ils vont être derrière vous, il va falloir les semer sans tomber de la chaise, sans vous faire mal, mais il va falloir aller plus vite que les autres pour fuir les extraterrestres sans dépasser le bord de la scène. Vous allez pouvoir avancer avec votre chaise le plus vite possible en restant bien assis sur la chaise. Attention, à mon 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et la course-poursuite va commencer. 1, 2, 3, c'est parti. On va pouvoir aller sur la chaise. Et 1, 2, 3, vous allez vous endormir complètement, parfaitement. 1, 2, 3, on s'endort sans tomber la chaise. Maintenant, jusqu'à mon signal, complètement, parfaitement.
1, 2, 3, dormir. 1, 2, 3, dormir. Jusqu'à mon signal. Complètement, parfaitement. Et on va faire un petit scénario. Alors, tu pour que Emilien puisse replacer les chaises. Quand je vais compter jusqu'à 3, il va y avoir des billets qui vont tomber partout du ciel. Absolument partout du ciel, sans dépasser le bord. Vous allez essayer d'attraper tous ces billets qui vont tomber partout du ciel. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Maintenant, regardez les billets commencent à tomber du ciel. On peut les attraper. Vous pouvez vous mettre debout, les attraper. Regardez, on ouvre les yeux. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Regarde. Il y a des billets qui tombent de 100, 200, 500 et on peut les attraper maintenant. Hey, il bute lui hein. L'autre elle a cru à ramasser de l'eau. C'est fou. Puis qu'est-ce qu'il fait Tipeee? Tipeee il les attrape juste. Et on peut s'asseoir sur sa chaise à nouveau avec tout l'argent récolté. Ah, t'as gaffé l'argent en. Non. Il y en a encore un peu. Regarde, tu as gagné 500 là. Tu l'as vu celui qui était sous ta chaise ou ça? Je vais vous en prendre un peu. Ouais. Ah, elle est généreuse. Et regardez, vous pouvez vous mettre debout à partir de maintenant. Restez assis pour le moment et en 3, vous allez vous endormir avec tout l'argent récolté. 1, 2, 3, ensemble. Maintenant, jusqu'à mon signal. Et quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez pouvoir vous mettre debout et le corps va rester l'aise. Vous allez garder les yeux ouverts et quand vous toucherez les yeux, le corps va rester l'aise et figé. On dit. Elles sont marrantes, vous avez un petit peu de tête dans les mains, dans les bras depuis avant. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Maintenant, on peut se mettre debout. Mettez les pieds joints.